au cabot sont travaillés. Travail passé, non la café. Quand t'es con, non la café, les caisses tombées, papa pour doudou. C'est Jean-Michel Samba, donc président du mouvement culturel Mascaclé et aussi leader vocal. Alors événement là, donc si les gens nous baillent un week-end culturel parce que ça casse son petit peu plus week-end, nous aimons nous là ça, mais souvent ça passe sur une semaine. Donc c'est une manifestation avec plusieurs temps forts parce que ni tout ça qui est apprentissage pédagogique avec les jeunes, avec les scolaires. Avec les centres handicapés et autres, ni côté réflexion, ni côté contrée, et ni côté déboulé, et ni côté village et concert. Mais événement-là, ça y a un genre spécial, puisque invité d'honneur en une année-là, ça, c'est les Cubains qui sont là aussi pour parler un peu de la culture à Cuba. Et notamment, qu'il y a un échange entre un artisan cubain, un artisan guadeloupéen, un musicien cubain, un musicien guadeloupéen, et ça a fini par un bœuf musical. Percibimos en todos los rostros mucha alegría. On a aperçu dans tous les visages, beaucoup de joie. Creo que l'association Mascaclé, je crois que l'association Mascaclé está realizando un trabajo importante, réalise un travail très important, sobre todo con la comunidad. Surtout avec la communauté. Ça sera juste la première pierre qui va édifier, hein? Et que pourrons nous ensemble édifier quelque chose de commun. Je suis vraiment heureux d'être le parrain de cette manifestation. Jeunesse Guadeloupe de Bout de Picos, et déjà le thème me parle. Et en tant que jeune du Gézé, je ne peux être que fier que Mascaclé m'ait choisi pour être le parrain de cette manifestation. Je suis vraiment content de voir que Mascaclé, hormis le côté culturel, travaille maintenant dans le social. Et comme j'ai envie de dire, pourvu que ça dure, parce que comme il disait tout à l'heure, les jeunes ont un vrai besoin, un grand besoin. Et nous sommes là pour les écouter et aider un maximum. Cette manifestation, c'est pour nous de donner véritablement un élan, je dirais, à la jeunesse. Merci à tous de votre écoute. Moi, déjà, c'est d'accompagner les gens de la cette monde là, par exemple, dans des ateliers qu'on a fait avec eux. Là, nous, quand même, on a un bois en bouteille en plastique. Donc, quand on travaille cette monde là, nous, on enfile les bouteilles et puis, pour nous monter bois là. Et puis, au-delà de ça, tout ce qui est scénographie ici, dans c'est un café avec d'autres jeunes qui sont petits, plus grands, des jeunes qui sont dans l'insertion et programme d'insertion avec Mascaclé. Donc, tout ça, on voit en palette, en baillet là, c'est nous qui mettons ça et qui travaillons, qui montons, qui peignons avec ces jeunes. Et c'est pour ça que moi, bien aimé travailler avec les jeunes. Par exemple, j'ai invité des jeunes à venir travailler avec moi à l'atelier moi. J'ai exposé avec d'autres jeunes qui ont invité à l'atelier moi. Non, en très pour que les jeunes Guadeloupéens, quand vous pour ça, restent en Guadeloupe, trouvent travailler en pays à eux, au lieu de exiler, de expatrier en France, parce que nous pas de travailler pour eux ici. Moi, c'est encore souhaité les jeunes Simon, à petit esclave, c'est l'excellence. Faisant excellence dans ça qu'on fait, c'est tout. Je dis être excellent, merde. Quand ça va une bannière, dit nous. Thank you.
Parce qu'il y a le souci de pousser les gens à la réflexion, de pousser le plus loin possible cette réflexion dans le champ culturel, de voir aussi dans quelle mesure la culture peut être vecteur d'insertion, dans quelle mesure aussi elle peut être vecteur de développement économique, dans quelle mesure elle peut aussi rapprocher les peuples de la Caraïbe. Donc il y a une dimension coopération que l'on voit d'ailleurs à l'évidence avec le fait que Cuba, cette année, est invité d'honneur. Bonsoir, nous sommes venus en Guadeloupe car nous avons une série d'actions à réaliser. Avec nous ont voyagé divers corps de métier, de l'artisanat à la restauration et bien d'autres encore. Dans le cadre de la cuisine, nous sommes là pour transmettre la pratique culinaire cubaine et caribéenne. Ce sont des bananes plantains. C'est un plat traditionnel fait à Cuba que j'aimerais faire goûter aux Guadeloupéens. C'est un plat autochtone de notre pays qui est très facile à préparer et à faire. Je suis cubain, venu avec la délégation cubaine, invité par Mascacli. C'est un bel échange entre Cuba et la Guadeloupe. Je suis content d'y avoir participé. Nous avons l'opportunité de participer à cette rencontre avec le groupe de carnaval Mascacli et la communauté guadeloupéenne. On a senti une grosse implication et beaucoup d'unité au sein de l'association et de sa direction lors de cet échange culturel. Cela nous a permis de confronter nos difficultés communes et le résultat des actions menées. Pour nous, c'est très important que ce mouvement existe pour la Guadeloupe. Que vous puissiez transmettre votre expérience et votre vécu au reste du monde. Que vous puissiez montrer à d'autres nations de la Caraïbe, parce que nous, Cubains et Guadeloupéens, nous devons nous unir et faire un bloc de travail, d'amour, d'unité et de solidarité. Voix les officiels, donc il y a la parole, il y a dit des trois mots, quatre paroles. Et puis après ça, qu'il y a un échange avec agro-transformateur Guadeloupe, avec agro-transformateur cubain. Et après ça, qu'il y a un bœuf musical, pour nous amuser, nous, souffrir comme nous, et dans cette voie potésie. Donc je fais également ce qu'on appelle communément des jus. Mais moi je fais toujours une alliance en fait. Ce sont toujours des alliances de fruits, de légumes, de plantes aromatiques. Mais que du local. Quelque chose qu'on peut faire en Guadeloupe et ailleurs avec nos produits locaux. D'ailleurs la jeunesse que je représente, oui. On transforme, on fait des études, on ne trouve pas forcément. Eh bien après. Cette année, la thématique, c'est jeunesse Guadeloupe piquant. Donc,
Cela paraissait comme une évidence d'accueillir pour la 6e édition les scolaires. Nous avons organisé différents ateliers. Nous allons utiliser des palettes pour faire des œuvres artistiques. Nous avons également prévu des ateliers de pratique musicale, à savoir jouer le ka, danser le ka ou encore jouer la musique du mas. À travers des ateliers, on peut canaliser beaucoup de choses et permettre à d'autres personnes d'acquérir des compétences et peut-être aussi de découvrir en eux. Donc c'est une forme de développement personnel pour permettre aux jeunes de se découvrir, de se valoriser à travers des actions qui ne sont pas forcément des actions théoriques que l'école, entre guillemets, attend d'eux, quoi. Ça a fait quoi? Ça a fait 15-16 ans mouvement culturel Maskaklé. Depuis que tout petit, on a levé un mouvement là, on voit évolution à mouvement là jusqu'à aujourd'hui jour. Pour cela, nous avons une répétition à groupe musical là. Tennis et Cubain là. Cubain là qui avait qui laisse nous faire partenariat là pour le Ken culturel là. On a d'autres artistes comme Dali, comme Lilo qui là, qui viennent participer à groupe concert là. Les mouvements culturels contre Maskaklé, c'est des catalyseurs. Le motif à ce mouvement-là, c'est de créer les liens sociaux. Et bien, ça va passer par là aussi. Après, il y a manger, ça va créer les liens sociaux aussi. Hein. Le bré manger là. Parce qu'à bré manger là, on va apprendre à connaître vous, on va apprendre à connaître, mais c'est pas apprendre tel jeu, mais c'est pas deux humeurs, donc on va commencer à connaître nous. Bon, on va créer les liens sociaux aussi à travers la musique, à travers plein de temps, à travers la pratique artistique. Donc, période de carnaval là, c'est une période où, pour nous sembler, intergénération, la jeunesse semblait, et comme là, c'est la jeunesse qui a l'honneur, donc c'est plus facile pour nous de toucher ces jeunes-là pendant la période de carnaval. C'est criminel là pas à jouer. C'est diable de bourré. C'est diable de bourré. Plus fort. Unité solidarité. Boum, à talent. T'as bout de capiqué jouable. Capiquet, tu as.
s'oppose et de la main. Belle communion. Masque à clé. Merci, 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 merci. Nous sommes l'entreprise Vérité, élève en terminale ES au lycée Charles Coiffin. Nous participons au concours entrepreneur lycée. En fait, je représente Saveur Fruitée, comme vous pouvez voir, c'est des petits sablés créoles. Tous nos produits tournent autour des fruits et des épices d'ici, de ce qu'on a dans notre pays. Alors nous avons comme projet de faire du thé. Une boisson rafraîchissante à base de citronnelle d'ananas ou de citronnelle et de maracuja, sans sucre ajouté ou très peu. Pour le moment, on n'a que deux fruits, l'ananas et le maracuja, et au fur et à mesure du temps, on va essayer de développer avec plusieurs fruits. Ma grande sœur qui a commencé, elle a eu l'idée avec les fruits de faire un petit sablé, un petit biscuit, comme tout le monde aurait fait peut-être chez eux. Et puis, c'était tellement bon qu'avec l'idée, on s'est dit pourquoi pas essayer de le commercialiser, voir comment ça se passe. Et de fil en aiguille, voilà, c'est une entreprise qui monte, c'est valorisant, ça fait plaisir. Au village, ça nous permet de vraiment connaître la situation d'entrepreneur et d'évoluer en tant que comme une entreprise normale. Et c'est vrai qu'après ce village-là, on va pouvoir se baser et établir une nouvelle production et évoluer en tant qu'une entreprise au fil de l'année. C'est une belle initiative, franchement, de prôner les valeurs, comme je dis, comme nous on fait, comme on voit aussi qu'il y a plein d'autres personnes qui sont dans cette vibe-là et que les gens apprécient. Je dirais même que les gens apprécient de plus en plus. Et ça fait plaisir de voir qu'on se tourne vers ce qu'on a. Qui est fier qui est un pays là, ça va faire ça, mais qui a déjà souffert, qui a souffert toujours, mais qui est tout goût. Et c'est pour ça que ça fait très bien le thème là, Genèse de Guadeloupe de Goupican, parce que vrai, le revers est un peu qui bat, je l'ai malheureux, mais je n'ai que qu'à rester fier du goût. Je estime que pour nous soyons exemple, malgré tout, yo là, vous avez ça, mais et que nous, effectivement, nous pas ni drapeau, mais nous ni force. Il n'y aura pas de l'insertion, mais c'est là justement le mouvement qui a monté au Fossaï. Parce que on ne peut pas ni insertion, soit on ne peut pas ni insérer un monde comment. Avant, c'est en parole que vous avez pris pour les voir sortir en prison, puis insérer, insérer, insérer. Mais l'insertion, nous d'abord, il a fait culturellement. Pour nous, approprier nous ça qui est en nous, et le reste qu'a fait naturellement derrière. Alors imaginez, masque à clé en plein adhéré. Approprier les autres dès qu'ils tirent les autres, ils doivent être marchés, doivent être dans la vie. Jeunesse Guadeloupe, de bout de piquant, c'est ça, mais c'est ça pour dire, jeunesse Guadeloupe, de bout, pas rester dans la négativité, qu'il n'y a rien pas fait, portez mon œuvre. Et massacrer qui nous ont, je dirais, qui nous ont demandé de les accompagner dans un partenariat qui a pour vocation de lutter contre l'exclusion des jeunes et bien entendu toutes les possibilités d'insertion que nous pouvons donner à nos jeunes donc de la Guadeloupe. Pour pouvoir réaliser le plus, il faut se mettre dans le plus. J'appelle ça la culture de la valeur ajoutée.
devons cultiver la mémoire. Chômage, awa, nous pas entendre les mal, awa, awa, awa. Travail, on n'a pas pris en bas, je ne rends pas. Dans le but est moins. C'est une première étape. Et donc on va tirer un bilan de tout ça. Nous irons pas à pas. Nous verrons pour l'année prochaine comment nous allons œuvrer dans ce même type de projet. Diplomata, vaya, 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 v